Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Lord Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve avec Azinox. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va super bien et toi? Bah, moi, Bonjour. ça va super. On se retrouve pour un épisode de Minecraft détente. Je sais pas trop comment on va appeler cette série pour l'instant. Mais voilà. Juste avant qu'on vous montre un petit peu tout ce qu'on va faire durant l'épisode, tout d'abord, on a fait un timelapse à deux en même temps. As de son côté a fait un timelapse sur le XMob, et de mon côté, j'ai fait un timelapse sur la mer, sur La un baie. lac, un blabé, voilà, que j'ai rendu Bon, ça c'est pas une baie, mais beaucoup bon, c'est plus pas grave. jolite. Ouais, joli. Donc j'en vous lance les timelapses maintenant. A tout de suite, Az. À tout de suite. Heureux tout le monde, alors j'espère que vous aurez bien aimé les timelapses des deux côtés. Ça nous a pris du temps, donc on a utilisé Replay Mode pour Du enfin temps tous les pour faire deux. ça quoi, vous non mais vous imaginez quoi. Ah oui, Mais alors je vais montrer As parce que As ne m'avait pas vu de mon côté. Je vais vous j'ai montrer. miné 3-4 couches. Ça a pris presque 20 minutes à faire ça, putain. Ouais, Sérieusement quoi. c'est vrai que on a Ah, ça va pris. juste être l'arrivée quoi, putain. Mais non, mais j'ai miné que ça quoi. Ah, ça me saoule. Et voilà, je vais vous montrer comment ça rend aussi de ce qu'on a fait, même si vous avez déjà Bah, vu de là-bas. sur le Voilà. time-lapse. Donc en gros, pour ma part ici, ce sera l'arrivée de X-Mob, donc là où les mobs vont tomber comme ça. On fera un design extérieur, je vais le faire, mais je vais pas faire un tardis, ça c'est sûr. Parce que la laine bleue ou la clé bleue, ça se trouve pas au coin de rue, donc Voilà comment ça rend, c'est vraiment. voilà. Je préfère comme ça que ça soit en clé tout ça à l'intérieur. Et ici là j'essaie de faire un beau décor avec des arbres et tout ça. Là des genres de pontons, des pontons. Et là un petit pont qui pourra aller jusque là-bas. Ça pourrait être vachement cool. Alors, on va juste déterminer ici les hauteurs. Alors si j'ai rien oublié. Ah, par contre ici j'aime pas trop là. 18, là, hop. Hop. Du sable là. Ah, on a fermé aussi du sable. Enfin, pour ma part, j'ai fermé du sable pendant. Malheureusement, en fait, j'ai une efficiency 4 parce qu'on était dans le Nether. On est bien resté 30 minutes, je crois, dans le Nether. Ouais, même. Ouais, 30 minutes. Ouais, à peu près. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des pioches. Enfin, pour ma part, pour ça, j'ai deux pelles pétées. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Bon, donc du coup, moi je vais Vas-y. commencer, sachant que je vais avoir une vidéo à côté pour m'aider parce que je m'en rappelle. Enfin, pour la structure ça va, mais après pour tout ce qui est redstone, je m'en rappelle plus du tout comment on fait. Donc j'aurai la vidéo d'Hyper à côté de moi. Donc voilà. Donc on est parti du coup. Hop, donc on va compter 35 blocs en hauteur et puis donc là on a fait 23 sur 23. Pourquoi 35 blocs et pas 30 comme dans sa vidéo? Tout simplement parce qu'il peut avoir des mobs qui ont des bots, je pense surtout aux zombies, des bots Feather Falling quand ils spawnent, donc du coup ça on pense donc ils vont crever quoi qu'il se passe. Qu'il Donc arrive. parti donc quoi qu'il arrive, c'est bon. Donc ça fait 108, hein, j'essaie de faire 78 fois plus 30, donc c'est parti. Sauf que j'ai 35, donc ça fait. Putain, mais je suis vraiment une merde en Est-ce que maths. tu as encore besoin Ça de fait tes 113. pioches pétées? Elles sont dans le coffre. J'ai une efficiency 4 et un upbreaking 3. Quatre. Mais sinon, c'est dans le coffre. Quatre. J'en ai laissé, la 4. Ok, Ça c'est fait. là.
prendre 113. Donc on doit arriver à la couche 113. C'est parti. Sachant par contre je suis totalement blindé de C4. Non, sur moi j'en ai une. Mais après je sais pas ce que j'ai mis dans le coffre. Je vais prendre une efficience. Alors pour ma part, je vais vous expliquer ce que je vais faire, c'est qu'on va rendre un endroit en dessous de la maison, on va terraformer un petit peu ici, exactement là, on va rendre cet endroit beau, parce que voilà, c'est la base de rendre les trucs beaux. Donc on va cutter tout ça ici, tout ça va disparaître, ça la maison, voilà, va tenir comme ça, et ça je vais le faire descendre jusqu'en bas. Entrez, c'est parti, donc ça, encore une fois. Ça rendra beaucoup mieux. Donc là, on va terraformer tout. Je pense que je meurs pas si jamais je saute de cette hauteur. Bon bah du coup des deux côtés ça va pas être la grande joie. Est-ce qu'on essaie de sauter ou pas? J'ai peur. Vas-y je regarde. MLG. Prends un pseudo, tu feras un MLG. Ouais t'inquiète j'en ai un. Que je vais faire après. Alors c'est parti, 35, bah justement j'ai plus 35 dans ma main, donc voilà. Enfin, on arrivera pile à 113. Hop. Il n'y aura pas trop de sujets de conversation géniaux, je pense, pendant cet épisode. J'ai fait ça pour Polycat, c'est pour ça que... Ah ouais, il a pété lui avec son armure. Et voilà. Donc. Alors est-ce que j'ai réussi ou pas? Fail. donc, hop, c'est parti. Donc, c'est le dernier pilier, heureusement. Ah non, c'est le royaume du soleil. Ah oui, c'est vrai que si j'appuie pas sur ma touche de saut, ça peut le faire. Ah, moi, ce soir, je vais au cinéma voir Aladdin avec Kev Adams. Je sais pas si ça va être bien. Vous avez déjà vu, les amis, Aladdin? Tu as déjà vu, toi? Non. Moi je vais voir, je vais vous dire quoi. Pas faire une critique, mais je vais vous dire ce que ça en donne. Mais bon, j'ai une appréhension. Un day 23. Bah en même temps, vu ta critique sur FF7. Ta bouche, ok. C'était ma première critique de toute ma vie. Une critique, c'était juste, ouais, il est bien. Bon, alors toi, je vais te tuer, j'arrive. En plus, t'es sur une colonne, c'est bon, t'as pas activé le PVP. Ouais, je sais. Ouais, il a désactivé parce qu'en fait, à chaque fois, il me tuait. Toi aussi, t'es. Enfin, j'étais plus fort que toi, c'est normal, mais toi, t'es une merde. Oh, la dernière fois que j'étais rect alors que t'étais enchanté à mort. Oh, ça va, c'était une fois. Sur au moins 15 kills, ça va, tu m'as eu une fois. Non, oh, la mauvaise langue. Et j'ai plus qu'un cœur en même temps. T'as mis qui? Ah bon, j'ai plus qu'un cœur, c'est pas marrant. Oh là. Donc là, 1, 2, 3. Hop. On va faire la même chose de ce côté. 1, 2, 3. Hop, on met un bloc. Là, théoriquement, on a un stack. Alors, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est bon. Parfait. Tac, voilà. Et donc normalement, chaque plateforme comme ça nous coûtera un stack. Yep. Je vais essayer de rendre ça beau, j'espère. Hein. Pas un gros bloc de cailloux en plein milieu de tout. Moi? Ouais. Non, t'inquiète pas, je vais essayer. Bah, pour l'instant, ce sera un truc brut, hein, ce sera vraiment moche au début. Ouais. Mais après, je vais essayer de mettre un truc beaucoup plus esthétique. Faudrait penser, enfin, je sais pas, genre, tu peux faire un grand arbre, tu sais. D'accord, donc du coup, il va falloir une nuit pour déforester une forêt. Ah oui, mais on a plein d'arbres à côté. Ouais, je sais. C'est cool. Tu fais un gros arbre, ça pourrait être beau, je trouve. Ou un phare, bah le phare. Ouh, le phare, ouais, ça, c'est pas con. Pas con. Mais parce qu'on voulait faire un phare, les amis. Ouais. La nostalgie. Ouais. J'ai encore une image d'ailleurs de ça. Ouais, moi aussi. Bah, tu l'avais en fond d'écran, toi. Ouais. Alors, moi j'ai pas le screenshot parce que j'avais une version craquée avant. Tu veux que je te l'envoie ou pas? Non. Malgré qu'il y ait mon skin dessus, mais.
Bon, Pas enfin, mon skin dessiné, mais. ah, tu pourrais le mettre là à la fin de la vidéo si tu veux. Enfin, dans ta vidéo, Oui, je veux si dire. on... si vous voulez. Pour qu'ils voient un petit peu. Parce que si vous voulez, je vais vous Ah, expliquer vite fait. C'est parce qu'avant, avec Az, on est sur les serveurs en PvP faction, on s'installait assez loin. Puis on faisait des trucs, mais. Enfin, normalement, PvP faction, c'est pour avoir une base secrète et tout, avoir des armes de ouf pour tout non, le nous monde, mais. c'était vraiment Ah, un espèce de c'était. village, un truc comme ça, c'est. Ouais, on avait fait un bateau avec un phare automatisé. Mais sérieusement. C'était beau. C'était beau. Sérieusement, c'était beau. Ouais, ah franchement ça... Ça rappelle des souvenirs tout ça. On peut même plus des noms des connards qui nous avaient attaqués. Ah là là, je sais pas. Si on les retrouve. Ouh là là là. C'est pas très palpitant de mon côté. Non, moi non plus, effectivement. Alors, hop, hop, hop. Mais on est Et dans hop. Minecraft détente, donc on fait vraiment. Ah non. Ah, Bon, pour vraiment. l'instant, on va juste faire une plateforme et puis on verra après pour en rajouter plus. Juste jeter 3. tous mes items que j'ai pas besoin. Terre, surtout que je pense que maintenant on a masse terre et masse cobble. Ouais. Casque, tout miné. Merde, j'ai jeté Bon, ma enfin, j'ai fourrure. juste récupéré la cobble. Hein. La terre, j'en pouvais plus de la terre. Non, on a déjà plein dans les coffres. Ah, voilà. Voilà, donc déjà, on On voit va finir déjà ça. un petit peu mieux comment ça va rendre. Et j'ai pas encore trop d'idées, mais je voudrais faire un genre de fontaine ici. Je sais pas encore. Je vais réfléchir. Et le dernier, ici. Donc on a terminé déjà les petites plateformes. On a encore pas mal de stacks de cobble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter un étage maintenant. Puis on verra plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une MLG pour descendre. Oh, puis attendez, il y a l'eau qui est là-bas. Voilà. J'en peux Donc, plus de ça, cette terre. on va faire, c'est qu'on va prendre du bois. Je la Tac. reposerai après. Là, c'est juste histoire de déblayer un petit peu pour avoir une meilleure vue. Et voilà. Bon, maintenant, vous Là, voyez à quel normalement, on point aura ma assez pioche, de ma pelle est choses. pétée. On a reposé les dispensers, mais bon, on prendra la ration d'après. Bon, du coup, je sais pas pourquoi je suis descendu en fait. putain. Attends, on va juste baisser un petit peu ma distance de rendu. Prendre les Ender Pearl pour monter. Ouais, pas con. Bah, je sais pas s'il y en a encore en fait. Non, moi j'en vois pas. Hein. Dans... Ah bah non, je... ah bah ils étaient sur moi, mais je sais pas où je les ai mis. Ah non, je les ai déjà. Pourquoi tu les as sur toi? Je les ai déjà peut-être tous utilisés. T'en avais 10 dans ton coffre, je crois que je les ai déjà tous utilisés dans les. Donc là, ça. Tout va disparaître ici. Ah, donc là on va remonter. Des shells, bien sûr. Oh, place ou quoi? Ouais, d'accord. Putain, mais c'est quoi ces lags? Que tu peux faire un crash test ou pas? J'ai tout récupéré. Bon. Est-ce que genre tu peux venir en haut et tester si jamais si on tombe on meurt? Non, non, Je non. On n'a pas tous des déconne. bourses de la mort. Ah merde, c'est vrai qu'on peut pas faire ça. Ça ici. Ouais, par contre, On je va mets faire tout le des tour comme enterres ça. ici parce que j'ai pas envie de À les récupérer. part au milieu ici, voilà. On posera le dispenser. On va juste faire deux étages pour le moment, on verra pour les autres après. Puis la cobble, j'en ai pas l'infini non plus. Ça va pas rester comme ça, un hein, brut comme ça les amis. Hein. Je vais complètement terraformer, je vais essayer de faire un beau truc. J'ai pas encore vraiment d'idée, mais je pense qu'avec Az on va trouver quelque chose à deux. Quand on est De deux, quoi? c'est mieux. It's better Pour faire quoi? together. Hein? Pour faire quoi? Rendre plus beau ici. Pas terraformer, mais je vais trouver un Ah site ici. là-bas. Je pense faire un escalier qui va là, qui monte là. On va essayer de...
Ouais, non, on va essayer, on est là pour essayer. Pas là pour se dépêcher. Alors normalement il y a une version qui a été modifiée de ce X-Mob où en fait on utilise la paquette Ice, mais bon. J'ai une skill touch mais j'ai pas encore trouvé de biome de paquette Ice, donc c'est pas grave. Ça change pas trop. Franchement ça change pas trop. Surtout qu'on est réellement loin de tout. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas vu On de. n'a pas croisé une seule jungle ni. Attendez, on va juste faire un truc. Ouais, malheureusement. On va se mettre en 64 chunk. Il veut bien accepter, bien sûr. Ah, je crois Bah qu'il a du putain. mal. T'aurais même pas dû essayer, toi. Ah, si, attends. Ah, c'est bon, ça charge. Cherche une idée. Je pense qu'on peut Ah, faire. bah voilà. Les On va faire 64 ça. chunks. Bon, par contre, je suis pas à 24 FPS. Hein. Donc je vais peut-être baisser quand même. Ouais, on baisse bien. Tac. Hop. Non. Pas comme ça. Je fais n'importe quoi. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une couche comme ça. Parce que... Bah... Là, t'as pas trop le choix. Même pas si j'en aurai assez pour faire deux étages. Hop. Faire de trop. Je suis en train de réfléchir, je suis désolé que je ne parle pas tellement. Là, je peux faire. Non, ça va être beaucoup trop collé. Non, je vais faire ça. Hop, voilà, on a presque fini ça. Ensuite, donc là, on refera les autres plateformes. Donc, par contre, ça va être une hauteur de 2, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas les Enderman. Enderman. De toute façon, on s'en fout parce qu'ils ne peuvent pas être guidés par l'eau. Donc, ça nous fera que ralentir. Donc, c'est bien en fait qu'il n'y ait pas les Enderman. Ça les tue. Et ça les tue aussi. Après, l'inconvénient c'est qu'il va falloir tout torcher autour. Et bon, ça. Voilà. Pas trop grave. Hop. Voilà. Et donc ici. Et voilà. Hop. Donc ensuite on va faire les autres. C'est parti. J'en ai fait combien de X-Mob dans ma vie? Oh, alors là. Me rappelle sur le Nicecraft j'en avais fait. Ah, cette faction sur Nicecraft, tu te rappelles? A fait tellement de choses. Ah, bon, c'est pas grave, on ira le placer plus tard. Ah, par contre, je t'aime pas. Hop. Voilà. Voilà, tac, tac. Oula. Je vais tomber comme un con. Oui, aussi, vous avez pu le voir, mais on a laissé le jour parce que, bon, pour construire comme ça. Ouais, ça va être galère, même s'il y a un squelette qui spawn pour Az, ça va être chiant de mourir, revenir, mourir, revenir. Je meurs pas. Non, mais je veux dire, si jamais déjà avec les dégâts du squelette, plus les dégâts si tu tombes. Ça m'étonnerait parce que si jamais il me pousse d'un coup, il m'enlèvera pas la moitié de ma vie. Plus si je viens de tuer. Voilà, par contre, c'est différent là. J'aime pas. On va faire autre chose, on va faire. On va avancer encore plus, Et on va voilà. faire ça comme ça. Hop, la dernière plateforme. Déjà on est arrivé déjà au milieu. Bon je suis pas un architecte hors pair, donc je fais pas des trucs à la Roll Wave, Sama ou Build Serverlight, mais je me débrouille. Civilized. Hop. J'ai pas envie de passer 10 heures sur un truc.
Bah moi j'ai eu la preuve aussi. C'est quand j'ai miné, que j'ai vu que ça faisait 20 minutes, j'ai dit bon, vas-y fuck, on va faire ça au-dessus. Ça rend mis en caillou. En fait, ce que je voulais faire, c'était creuser 30 en profondeur. Ça mal, non, pas... Pour il a voulu creuser 30 en profondeur avec deux pioches. Ouais, 30 en profondeur. Bah quand j'ai vu, en fait, je me suis dit, bon, ça va être... Bon, enfin, je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps, mais je pensais pas autant de temps, en fait, tu vois. Ah, tu fais avec de la cobble, putain. T'as pas de la cobble en rab. Pardon. T'as pas de la cobble en rab. Non. Attends, bah j'ai presque fini là, je... Je vais voir si j'en ai encore après, mais... Mais après, on utilise que la cobble, comme ça va pas faire moche, tu vois. Moi, De je quoi? t'inquiète pas, je vais trouver un moyen. Non, non mais c'est bon, t'inquiète, j'ai un moyen. J'ai un moyen, t'inquiète aussi. Ok. Par contre, les gens, si vous souvenez, j'ai jeté toute ma cobble comme un con. J'aurais pas dû. Je te laisse voir au niveau du temps. Je Ouais, j'ai pas t'ai. du tout vu en fait. Bah, de toute façon, moi je pense que je vais finir mon X-Mob dans l'épisode. Ok. Moi je finirai en même temps que toi, ça me dérange. Ça ne me dérange pas. Ah ouais, par contre, je vais modifier un truc après sur l'usine à... Comment ça s'appelle? À canne à sucre, parce qu'en fait, si jamais la canne à sucre pousse à 3 de hauteur et que les pistons détruisent la canne à sucre, et bah c'est possible qu'elle arrive sur les pistons. Et donc du coup qu'elle soit pas attrapée par le minecart. Bah pour ça c'est très simple, on met juste un bloc au-dessus des pistons et puis voilà. Donc je le modifierai après mais. Il a pas fait. J'étais en train de regarder Non. pour montrer aux viewers, mais tu l'as pas fait. Vu que t'es un flemmard. Ah, viens, tu les empêches de se lever à 3 de hauteur, pire. Tu mets des dalles. Bah ouais mais oh, bon autant mettre des blocs ça va. Voilà, donc maintenant on va faire le toit. C'est sur quel serve où on a utilisé, enfin où j'ai utilisé, je sais pas moi, au moins 10 types de blocs différents pour faire le X-Mob. Bah, Nicecraft d'ailleurs, hein. Nascraft, oui, c'est ça. Nicecraft. Et même à côté de Genre, Nascraft, j'avais j'utilisais fait une de usine à canne à sucre la. Ouais, je me de rappelle. C'était shorty. malade. C'est vrai que c'était vachement cool. Et ça, par contre, j'aimais pas du tout, donc on va faire ça comme ça ici. Voilà. Parce que je ne suis pas fan du tout. Sur la canne à sucre, on s'en fout un petit peu, donc une petite usine comme on a, ça va. Sérieusement. Hop. Bon, c'est tranquille, hein. Bon, là, c'est vraiment détente. On en a la moitié sur le toit là. Après, je ferai une petite ellipse, le temps de voir comment fait le système Redstone, de prendre tout ce dont j'ai besoin et après on fera le système ensemble. Oula, je pensais. Attends. Je crois qu'en fait, ça va être tout juste pour avoir. Enfin, au niveau cobble pour moi. Ouais. Ah putain, ça Ouais. change. À chaque fois, il nous en manque une ou deux. C'est pour bien faire chier. Ah voilà, je trouve que ça rend beaucoup mieux avec de la cobble. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens, mais moi, je préfère et j'approuve. Avec de la cobble, c'est mieux. Voilà. Alors, la terre, il me faut de la terre. Hop, voilà.
On en aura assez de cobble au moins. C'est déjà pas mal. Par contre, problème, un flip-flop, on n'a pas besoin de... Ça, tout à Attends, l'heure, est-ce que... je lui avais demandé si vous voulez faire en stone brick, mais quand tu vois l'étendue du travail en stone brick, ça aurait été galère. C'est surtout en fait le temps de cuisson, tu vois, pour tout Ouais, le cobble. c'est vrai. Et ça donne Parce que du coup, c'est 4, la je même... crois. 4 de cobble, ça donne 4 de stone brick. Ouais, Donc non, c'est mais vrai c'est que la c'est même plutôt chose, c'est la même rentable. chose. Bah, c'est la même chose en fait. Mais c'est juste que, bon, par contre, pour faire cuire les trucs, autant pas déconner non plus. Bon, voilà, c'est bon, on a fini le toit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout ce dont j'ai besoin pour faire le système. Hop, voilà. T'as ça de la gueule, lui, d'en bas. T'as de la gueule. Moi, j'aime bien. On fera un truc beaucoup plus swag, bah, on fera un. Par contre, mec, le nombre de cobbles qu'on va devoir prendre pour faire le. Quoi? Le phare. Ah ouais, Je peux dire que ça va être non, on va chaud. le faire en stone brick, le faire, je pense. Oui, on va le faire en sonnerie, quoi. Donc voilà, donc je vais faire une ellipse qui sera bah, très gros pour vous parce que c'est une ellipse, mais très long pour moi je pense. Le temps de bien comprendre comment ça marche. Putain de merde. Le temps de comprendre comment ça marche. Et d'avoir tout ce dont j'ai besoin parce que je crois qu'en plus pour faire un flip-flop, même si au pire c'est pas rare, on fera un bouton, mais bon. Parce que pour faire un flip-flop, il faut des slime blocks et on n'a pas de. Enfin des slime balls et on n'a pas de slime. Ah oui, Donc c'est vrai. on fera avec un bouton, je pense qu'on activera. Et qu'on verra une impulsion en haut et puis ouais. Même un bouton chez nous, vous voyez, genre un bouton ici. Ici, puis hop, ça active l'XMob et Ah, puis ça voilà. c'est bien ça. Et puis ça ramène. Hop. Oh, c'est dommage ça qu'on puisse pas ramener l'XP aussi. Attends, on peut. Ah, je suis désolé pour le train les gars. Est-ce qu'on peut faire transiter l'XP via de l'eau? Alors là, aucune idée, mais peut-être. Parce que ça se trouve, on met un bouton auprès de nos coffres, on active, hop, ça fait le truc, enfin ça fait le X-Mob. Tous les mobs crèvent. Ensuite, il y a les loots qui peuvent sont triés ou pas, enfin on verra. Et l'XP qui arrive directement chez nous. Ça peut être cool. Ça peut être super sympa si jamais j'arrive à faire ça. Et pourquoi Je je ferais vais. pas. Ah oui, c'est vrai, quand tu fais du slime ball aussi. J'oublie un trou là-bas. En plus, s'il y a un flip-flop comme ça, enfin, le problème avec un flip-flop, c'est que si on veut récupérer. Ah, je sais pas, ah ouais, Ouais. non, avec un flip, tu l'aurais mis dans le coffre. Non mais de toute façon c'est mieux de faire un bouton Bouton. je pense. Ok. Pense qu'il est mieux de faire un bouton. Donc bah je fais une petite coupure, à tout de suite. Bon, hop. Voilà. Alors. Mec, j'étais. Parce que full cobble, il me reste un stack et 5. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'il me faut le skill touch. Tu le veux? Oui. Parce que je vais prendre un bloc de bloc d'herbe pour le mettre pour que ça. Merci. Alors moi je vais voir la vidéo. Comme ça, en fait, les gens, comme ça, si vous savez pas, quand on met un bloc d'herbe ici, par exemple, bah, ça va devenir en herbe tout autour. Voilà. Ici, on va remplir ça. Mais tout ici, là, il y aura de la stone, il y aura de la sandstone, ce qui rendra beaucoup mieux. Donc moi, pour ma part, je vais vous laisser là pour ce premier épisode. On se retrouve la prochaine fois pour continuer un petit peu le terraforming et voir un petit peu ce qu'on pourrait faire ici. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. À plus Az et à plus tout le monde. Ouais, à Ciao, ciao! plus.